J'ai entendu parler du courant miracle, mais je sais pas plus. I heard of the Course in Miracles, but I don't really know what it is. J'ai dit, comme vous avez parlé hier, d'inclure à l'esprit, vous avez expliqué. Alors j'ai dit, je vais inclure tout ça et j'irai à cet atelier et je verrai. So like you said yesterday, I will integrate all this, and I will come to this workshop. Alors, peut-être que c'était une croyance, je sais pas. Maybe it was a belief, I don't know. You just take the steps. Tu prends les étapes, en fait. Very much, the people I work with, we are always discussing what is in the heart and what feels like the step to take. Toujours avec les gens avec lesquels on travaille, on discute toujours de ce qui est dans le cœur, de comment on se ressent et de quelles sont les étapes, justement. And it doesn't matter if there will be a million steps. We focus on the very next step. Et peu importe le nombre d'étapes, il peut en avoir 1 million, il peut en avoir 1 million d'étapes, mais nous nous concentrons sur l'étape de maintenant, sur la prochaine étape, toujours. I could just tell you so many stories of people. One woman that I've been working with has been a judge. She's a judge in the world. Une femme avec qui j'ai travaillé est juge dans le monde. And we've been going deeper and deeper into the mind and exploring the concepts. Alors on a été ensemble en profondeur et en profondeur dans l'esprit pour aller explorer tous les concepts. And I think Jenny was telling me that she just recently heard that she came up for re-election. Et elle a entendu il y a pas longtemps qu'elle s'est représentée pour les élections. But she had so deeply questioned her entire belief system. Mais elle a tellement questionné de façon si profonde tout son système de croyances that she saw that she could no longer perform that function. Qu'elle a vu que elle ne pouvait plus prendre cette fonction, assumer cette fonction. Merci. En fait, elle avait le choix de se représenter. Et elle l'a pas fait. C'est ça. Elle l'a pas fait. Ok. Merci. And this is quite common that we work with people and they use a system like A Course in Miracles, but then they start to receive practical guidance at unwinding from the world. C'est assez commun en fait, je dois voir des gens qui travaillent comme ça, qui travaillent avec le cours en miracle et qui reçoivent la guidance de commencer à défaire les situations du monde. C'est ça? Se désengager du monde. Je ne connais pas encore vraiment le cours en miracle, mais je faisais deux boulots, j'avais deux travails. Et c'était en permanence, je n'arrivais plus à respirer. Parce que je quittais un travail, je repartais et je rentrais très tard. So I didn't know about the Course in Miracles. But I was torn between two jobs with no time for myself. Et j'ai décidé de prendre une disponibilité au niveau de mon deuxième travail. So I chose to open up a space, become more available at this second job. Parce que sans connaître le courant miracle, eh bien, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête, que c'était le moment, j'ai senti que c'était qu'il fallait faire stop, qu'il fallait choisir autre chose. Quoi exactement, mais je ne sais pas, mais il fallait choisir autre chose. I don't know what, but I felt at the time that I needed to stop. She said, there must be another way. I've heard that story many times around the world. People know there has to be a better way and they stop for a moment. Moi, j'ai entendu cette histoire tellement de fois de gens qui me la relatent de par le monde entier, de gens qui s'arrêtent et qui se disent il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une autre façon de faire. Mais c'est que l'ego est toujours là pour commencer à dire on y aura moins d'argent, ça va plus.
But the ego is still here, of course, to worry. You'll find that as you go along the journey, you have many holy companions that are witnesses to your spirit's journey. Tu vas t'apercevoir qu'à mesure que tu chemines comme ça, sur ton chemin spirituel de libération, tu vas rencontrer plusieurs gens, plusieurs personnes qui vont être des témoins, en fait, de ton propre cheminement. The last time that Laurent and I saw each other was in Texas. La dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, c'était au Texas. And he was just telling me of all the different adventures coming to Belgium and Quebec and different places, maybe even Brazil. It's quite a journey when you don't try to control where it goes. Et l'année dernière, c'était au mois de novembre, donc c'était vraiment il y a un an. Je lui parlais des choses de l'époque. Et là, maintenant, je lui reparle que depuis un an, voilà, j'ai pas arrêté de voyager à droite, à gauche, d'aller dans un pays, dans un autre, pour l'esprit toujours. Et il me dit, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment tout un acheminement de lâcher le contrôle, de pas savoir, quoi, de se laisser porter. I went through that experience where I would have the fear or the resistance come up, and then I would ask a question to the spirit. Alors, j'avais cette situation, par exemple, où j'avais cette peur qui arrive, et je demande au Saint-Esprit. And the question was, what am I afraid of? Et la question, c'était, de quoi ai-je peur? And the answer came, you are afraid of love. Et la réponse qui est venue, c'était tu as peur de l'amour. I said, I don't understand that. I want love. I think that's my whole goal in life, and you're telling me I'm afraid of it. Mais je comprends pas. C'est mon seul but dans ma vie, ok? Et t'es en train de me dire que j'en ai peur. So then I would have to turn to another way of questioning. Mais alors, ce que je devais faire, c'est changer le type de question. I would say, I don't understand. That I'm afraid of love. Je dis, je comprends pas que j'ai peur de l'amour. So let's try another angle. Alors on va essayer un nouvel angle. If I'm defending against love, what am I protecting? Si je me défends de l'amour, contre l'amour, qu'est-ce que je protège exactement? And the spirit said, you are protecting a false self-concept. Et l'esprit me dit, ce que tu protèges. C'est un faux concept de toi. It's like a mask. It's very shaky. C'est une sorte de masque, très tremblant. It's like a little trembling identity. Une identité tout à fait tremblante. And so I said, okay, then show me more about what I'm protecting and why I'm protecting it. Bon, ok. Alors montre-moi plus ce que je suis en train de protéger. And I could see that any time I would get defensive or I would feel a charge emotionally, I was defending this false identity. Et je pouvais voir assez rapidement qu'à chaque fois que je me sentais un peu tremblant comme ça, c'est qu'en fait, j'étais en train de défendre ce faux concept de moi, cette fausse identité. So then it became like an adventure. Like, okay, let me expose and discover what this false identity is. Alors tout est devenu pour moi une aventure, un jeu. Et je me suis dit, ok, alors exposons ce qu'est cette fausse identité maintenant. Because I knew that I must release every aspect of it to be peaceful. Parce que je savais que, afin d'être libre et en paix, ben, je devais libérer, je devais relâcher. Tous les aspects de cette personnalité, de cette identité. Now, the question you asked, Sylvain was talking about, was, do I play the role or do I control? La question que tu as posée, c'est est-ce que je joue le rôle ou est-ce que je contrôle, c'est ça? Je suis tellement dans le paradoxe, je ne sais même pas comment exactement la poser. Mais... Parce que we talk about it. Peut-être tu peux préciser. Par rapport à un point précis. C'est même pas par rapport à un point précis, c'est vrai que j'ai pas mal d'attaques apparemment de l'extérieur. Ok,
Okay, he seems to have some attacks from the outside. Et il y a un moment où, comme un ressort, ça se compresse. And at some point, this feels like this has been compressed, and at some point, it feels like a spring. J'essaie d'accueillir tout par l'amour au maximum. I try to embrace everything with love. Il y a un moment, je me dis que si je lâche pas ce ressort, je somatise dans le corps après. Donc voilà, il y a une émotion à vivre. Je sens qu'il y a une émotion à vivre, mais c'est forcément une émotion de l'ego. But at some point, I feel that if I don't let this spring go, I will feel it in my body. I feel that there's an emotion, but then it's an emotion of the ego. Et il y a une autre couche en plus, c'est je sens que je dois moi guérir de quelque chose. There seems to be another level as well. I feel that I need to heal from something. Et par ailleurs, mais c'est peut-être une astuce de l'ego, j'ai l'impression que l'autre aussi dans ce conflit, j'ai aussi mon rôle à jouer pour lui. But I also feel, although it might be a trick of the ego, that the other has something to heal, so I have to be a role, to play something, to bring something to that. Que c'est une... By being there. Je pense que c'est une ruse. He feels that it's a trick of the ego. Voilà les paradoxes. Here are the paradoxes. For some, there is a rapid release of all the roles. Pour certains, il semble y avoir un relâchement, une libération rapide de tous les rôles. For example, like Eckhart Tolle, a rapid dropping of the whole ego structure. Par exemple, pour Eckhart Tolle, il y a eu un abattement rapide de toute la structure de l'ego. It's like piercing the veil. Just piercing the veil of illusion. C'est comme une sorte de vrille qui vient faire éclater, qui vient percer le voile de l'illusion. But in time, this is very rare. Mais dans le domaine du temps, ceci est très rare. Most are given a much more gradual program of release. La plupart, on donne à la plupart un programme de libération qui est beaucoup plus graduel. Because if it was too rapid, it would feel like just a shattering or a destruction. Parce que si c'était trop rapide, on aurait l'impression que ça serait une véritable destruction, en fait. Hein? When actually it's just a reinterpretation. Alors qu'en réalité, ça n'est qu'une réinterprétation des choses. But if it's too fast, the ego will feel that it is being annihilated. Mais si c'est trop rapide, c'est fait trop rapidement, l'ego va sentir qu'il est annihilé, en quelque sorte. So, the Holy Spirit must work with exchanging self-concepts. Alors, ce à quoi le Saint-Esprit travaille, c'est échanger les concepts de soi. It would be like if you had a tall glass of poison. C'est comme si tu avais un grand verre de poison. And the Holy Spirit pours out some poison and throws in some water. Est-ce comme si le Saint-Esprit vide un peu de poison et y ajoute de l'eau à la place. Yes. Then pours out a little more of the mixture and pours in more water. Et va vider encore un petit peu plus au fur et à mesure de ce mélange et va rajouter de plus en plus d'eau. Yeah. There's an exchange going on here. Il y a un échange, il y a une sorte de vase communicant.